Hello famille, c'est comment? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez superbement bien. Ariel Chiné. Yeah. Apparemment, tu es déterminé, hein? Tu es déterminé à en découdre avec Safarol ou Biang. En tout cas, j'ai compris ton message, j'ai compris ton message et c'est de ça qu'on va parler. Et aussi, il y a quelqu'un qui m'a un peu choqué ces 2 jours. J'ai regardé, il ici, il parle pas, c'est foutaise. Parce que quand tu te fais appeler boss d'un mouvement, d'un pays, tu te fais appeler Big Boss du showbiz ivoirien, tu n'as pas ce genre de comportement inconscient là. Donc, vieux Tchololas. Excusez-moi, c'est pas vieux Tchololas. Vieux père, pardon, hein, pardon, c'est pas vieux Tchololas. Tiesco le sultan, on s'est parlé tout à l'heure. J'espère que quand il a fini de te parler, tu vas comprendre. Parce que franchement, hein, tu viens de foutre la honte à tout un pays. Je sais pas c'était quoi le projet, mais on se prend pour le générique. Bonjour tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, c'est votre humble serviteur. En tout cas, si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Et puis, si t'es content, lâche-moi un pouce bleu, partage-moi. Voilà, bon retour les amis, bon retour. Vous savez, ça fait plus d'une semaine, nos jours. Ces abonnés n'évoluent plus parce qu'on m'a dit, parce que je ne fais plus de vidéos, c'est ça, non? Donc vous attendez forcément que je vous fasse des vidéos d'abord avant d'aller vous abonner à la chaîne de Nojo. Oh, il parle de Nojo dans toutes mes vidéos. Quand même, j'ai dit 1000 abonnés seulement, 1000 petits abonnés. Vous n'êtes pas prêts. Ça, vous ne m'écoutez plus. Vous ne m'écoutez plus. Je ne suis pas content de vous les abonner. Non, juste pour déconner, hein. Continuez à donner la force à Nojo, s'il vous plaît. Allez vous abonner à sa chaîne YouTube. Il y a encore six lourds morceaux qui arrivent. Encouragez le petit, s'il vous plaît. Encouragez le petit à vous servir. Aïe, aïe, aïe. Quand même, quand même. Allez faire bouger son compte d'abonnés là. Le lien est dans la vidéo en bas ici. Allez, à cliquer, allez vous abonner. Vous aimez bien les histoires de buzz, les histoires d'artistes, mais quand même, ça c'est le nouveau talent aussi. Demain, il va devenir une star. Il va faire d'une manière, vous avez dit qu'on t'a aidé ici. Oh, il vous supplie pour l'aider. Allez vous abonner, les chaînes d'abonnés, s'il vous plaît. Merci. Ok. Je commence par qui? C'est ce que le sultan ou Ariel Chiné? Bon, sans vous mentir, je parle à ses fans. À ses fans. Je sais que ce n'est pas tous les fans d'Ariel Chiné parce que les fans d'Ariel Chiné savent combien de fois Erito a bataillé pour Ariel Chiné ici. Bref, pas besoin de me justifier. Je crois avant-hier, c'est ça non? Avant-hier, Ariel Chiné nous a servi du loup. Vous savez, je n'ai jamais contesté le talent d'Ariel Chiné. Voilà, il est indiscutable. Même dans mes vidéos vérité que je lui adressais, je le rappelais tout le temps. Le talent d'Ariel Chiné, il est indiscutable. Voilà. Mais c'était, comment dire, c'était un sujet bien, c'était un contexte bien précis. On va pas rentrer dedans. Franchement, quand j'ai écouté le morceau, c'était un cocktail. Voilà. Son freestyle, ce freestyle-là, c'était un cocktail de je sais faire des atalakous, je sais chanter en français et je sais faire des animations. Franchement, c'était parfait pour moi. Au niveau de l'arrangement, rien à dire. Ton freestyle était lourd. Et on sait clairement, on dira que c'est pas le cas, mais on sait clairement que il est adressé à ton collègue. Moi, je l'appelle même pas ton ennemi. Voyez, ça démet ton collègue. Voilà, voyez, les palabres là. Ça s'arrange toujours. Ça s'arrange toujours. Ça s'arrange toujours. Tôt ou tard, ça s'arrange. À moins que la mort vous sépare. Sinon, ça va s'arranger. Donc, c'est pas ton ennemi. Ça fera le bien. Maintenant, tout ce qu'on attend, ça fera le bien. C'est une bonne réponse aussi de sa part. Parce que, de part et d'autre, vous avez dit que vous allez courir musicalement. Et toi, tu as envoyé. Tu as mis bah! Et franchement, toutes mes félicitations à Ariel Chiné. Pour ceux qui n'ont pas encore vu, pour ceux qui n'ont pas encore vu, qui n'ont pas encore écouté ce dont je parle, le dernier fils d'Ariel Chiné, là, allez sur son Facebook et vous allez juger. Voilà. Parce que moi, là, j'ai une qualité. C'est que j'essaie de reconnaître ce qui est bon. Quand c'est mauvais, il te dit, oui, il faut mon ami, c'est mauvais. Va travailler encore. Ou bien, il faut changer comme ça. Ça ne va pas t'arranger des fois. Musicalement, je n'ai rien à reprocher à Ariel Chiné. Mais ce que vous n'avez pas compris, c'est qu'on n'a pas connu un Ariel Chiné aussi arrogant. Un Ariel Chiné qui se permet de manquer de respect à ses aînés. C'est ça qui, moi, m'a dérangé. Je n'ai pas parlé de sa carrière musicale, parce que sa carrière musicale, là, les vidéos sont là. Allez, j'ai dépassé 1000 vidéos ici, là. Allez, chercher, vous allez voir. Il est chargé Ariel Chiné sur ma tête. Il y avait les Chinois à dos, DJ Rafat à dos, et puis ils faisaient le combat d'Ariel Chiné. Parce que j'aime pas l'injustice. Maintenant, quand le petit pense qu'il est arrivé et puis il sort des propos qui ne plaisent pas, ou bien qui se permet de manquer de respect au grand frère, il faut que j'ai le droit aussi de lui dire qu'on ne fait pas comme ça. Non, un grand frère, c'est un grand frère. Quelle que soit ta raison,
Voilà. Ce n'est pas une histoire de te laisser marcher dessus, mais il y a la manière. Maintenant, pour ceux qui pensent que je n'étais pas dans ma raison, je vous donne trois petits exemples. Le direct adressé au VPJ Jika, il a supprimé. Il a, comment je vais dire ça, il a fait un direct où il s'est excusé. Il a dit beaucoup de choses dans le direct, nous tous on a écouté. Mais malgré ça là, vous n'allez pas avoir l'humilité de dire que, ah Eriton, tu avais raison, hein. Vous dites que j'ai un problème avec Arechene. Arechene, il paye ma maison ou bien, il mange chez lui ou bien, il a cherché ma femme ou bien. Je n'ai rien contre lui, bien au contraire. Moi je lui dois rien. Lui me doit beaucoup. Parce qu'il fait sa promotion, sans lui demander 5 francs. Voilà. Comme actuellement là, je viens de vous dire que la sortie est freestyle. Non. Il y a au moins 10 ou 20 ou 100 parmi vous qui vont aller, tous ceux qui n'ont pas encore regardé, hein, qui vont aller écouter. C'est de quel son Arechene il est en train de parler là. Ça a dépassé les 300 000 vues. C'est comme ça aussi, vous devez nous dire merci. Vous n'avez pas besoin de toujours là à critiquer, à la limite, vous ne rien dire. Ce n'est pas pour vous parler mal, mais c'est la vérité. C'est de ça que nous, moi j'ai besoin. C'est qui vient de faire là. Son freestyle, c'est ça qu'on a besoin. Mais pas venir là pour dire que non, il n'a pas me laisser faire et tout ça. On ne t'a pas connu comme ça, Chéné. Il est réité encore. On ne l'a pas connu comme ça. Si c'est ce qui vous choque, je bisse encore. Tant qu'il va venir, c'était arrogant là. Je lui dis qu'il a carré descendre sur terre parce qu'il n'est pas encore arrivé. C'est maintenant qu'il est en train de décoller. Voilà. Ton talent là, on ne va même pas discuter. Maintenant, à toi, ça parle bien. Bon, comme tu as vu, hein, il a envoyé. Et comme moi, je dis, c'est très talentueux. Très talentueux. Je pense pour ma part que tu feras mieux. Tu feras mieux. J'espère que tu feras mieux que le freestyle d'Arechene parce qu'il est vraiment, 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 vraiment lourd. Au niveau de l'arrangement, rien à dire. La voix, rien à dire. L'animation, rien à dire. Les notes, rien à dire. Juste. Non, Arechene, on t'attend. Ça va aller bientôt aussi, on te regarde. Maintenant, petit message, petite vérité à un artiste dénommé Tiësque le Sultan. Apparemment, Tiësque le Sultan, il y a des gens qui te connaissent mieux que moi. Hein. Je le connais. Il y a des gens qui connaissent mieux que moi. Et je viens encore m'excuser auprès de toutes ces personnes qui connaissent mieux Tiësque le Sultan. Parce que souvent, quand il fait des bonnes choses, je viens l'encourager. On dit non, tu perds ton temps. Et apparemment, je pense que je perds mon temps. Parce que ce que je viens de voir là, je n'ai pas compris en fait. Est-ce que tu n'es pas en train de péter les plombs? C'est la question que je me pose. Ce n'est pas une affirmation. Je me pose la question de savoir, est-ce que tu n'es pas en train de péter les plombs? Parce que quand on se dit big boss d'un mouvement, surtout du mouvement ivoirien, du showbiz ivoirien, qui est la plaque tournante musicale de l'Afrique, là, je pense que ce que tu as fait là, on ne fait pas. Ce que tu as fait là, on ne fait pas. Si tu étais un artiste lambda qui s'auto-proclamait pas big boss là, il y a fois, on allait t'attacher un peu et ça allait passer. Mais ce que tu viens de faire là, tu viens de salir l'image du showbiz ivoirien. C'est quoi le projet? Même papa n'a buzz, papa n'a Facebook, père son petit Arafat. Il a fait, mais les choses n'a pas pu faire. Et puis lui, l'a fait, ça n'est pas les papa. Ils sont comme ça, son étoile même était. Mais toi-même, là, nous-mêmes, les gens même ne sont pas prêts pour nous. Nous, on cherche même à te caler. Bon, si tu as trop d'argent, laisse la musique. Et puis, vis ta vie de pacha ou bien de riche. Mais si tu as vraiment envie de percer, comme tu le dis tout le temps dans tes vidéos, tu revendiques là. Ce n'est pas un comportement de bas quartier là, parce qu'il ne comprend même pas. Il ne comprend pas. Tu viens là sur les réseaux sociaux, tu es nu. Ou bien tu veux nous montrer que quoi, tu as un gros kiki ou bien, à savoir même si c'était ton kiki, peut-être tu as mis quelque chose là-bas pour trafiquer les gens. C'est quoi ça là? Si le ridicule pouvait tuer. Ah, vieux moro, tu as zaillé mauvais même. Tu as zaillé gros même. Tu as commencé à faire un peu de vues là, ça ne te plaît pas. Mon vieux, tu as commencé à faire les 10 000 vues, les 20 000 vues. Bon, laissons les vues même. Tu as commencé à avoir un peu d'abonnés, ça ne te plaît pas. Quand il va quitter dans ton affaire, il est quitté, hein? Faut te ressaisir. Mais erreur comme ça, n'en fais pas. Tu sais pas que sur les réseaux sociaux, les enfants. Et puis, ce qui me fait mal, ces gens d'âme qu'on doit restreindre là, qu'on doit proscrire là. Il n'y a pas de mesure comme ça, hein? Il n'y a pas de répression comme ça, hein? Mais quand c'est les faux trucs là, on enferme facilement. Quelqu'un qui a venu là, s'est dénudé sur la place publique. Oh, il y a des enfants. Il y a beaucoup d'enfants qui sont là. On ne parle pas de ça. Ça a passé comme ça, cadeau. Parce que soit ils ont trop les relations. Quelles relations même? Ça y va de votre crédibilité aussi. Membre du gouvernement. C'est pas intéressant. Moi, ça m'a choqué. Je me suis dit, le mec, c'est vrai que c'est un chercheur de buzz, mais pas jusqu'à ce point-là. Mais tellement. Dieu veut te montrer par A plus B que c'est pas dans buzz, toi tu vas te faire connaître, mais tu vas percer là. Tu as vu comment ton mot est passé inaperçu? Zio
Mais moi, si je parle, c'est parce que je veux te donner des conseils, en fait. Je suis juste en train de te rappeler que c'est pas bon. Tu as foutu la merde, même. Tu as zaé gros. Tu as chié, gros caca. Mais aussi, tu vois, moi aussi, je ne plains pas trop la fille dans ton direct. Hein. On sent que c'est la fin qui fait ça. C'est la fin. Parce qu'une fille qui est issue d'une bonne famille, mais qui n'est pas peut-être riche, hein, qui est issue d'une bonne famille, qui a reçu une très bonne éducation, ne peut pas aller parce que c'est Tesco le système qui m'a invité à faire un direct live public comme ça, montrer mes fesses aux yeux du monde entier. C'est quel beurre je cherche? C'est quoi je cherche? Non, Tesco le système, franchement, tu as foutu la honte à la Côte d'Ivoire. Hein. Tu as foutu la honte à la Côte d'Ivoire. Et je ne sais pas comment on fait pour te blâmer. Non. Foutage, c'est foutage. Go Big Boss. Toi, tu n'es pas Big Boss et tu n'es plus jamais. On voulait t'accorder ça. Hein. Mais moi, je ne te considère plus comme ça. Parce que j'avais commencé à te considérer un peu. Je me suis dit, bon, comme il n'y a personne qui veut prendre le fauteuil, le moral, il veut prendre. Bon, on encourage les gens, peut-être, à faire de bonnes choses. Déjà, c'est venu faire partie des striptease sur les réseaux sociaux. Ah, vieux moral. Est-ce que tu sais que. Peut-être que tu ne sais pas. Hein. Est-ce que tu sais que moi-même, ou bien quelqu'un de lambda même qui est en Côte d'Ivoire, il peut aller porter plainte contre toi. En fait, ça trouble à l'ordre public. Il y a ces enfants sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pensez à ça avant de poser vos actes même? Ouais. Tu m'as fait honte, mon vieux. Tu m'as fait beaucoup honte. Tu as versé ça sur moi-même. Parce que jusque-là, il réfléchit, il ne comprend pas. Soit tu es en train de péter les plombs. Ou soit, tu es toujours dans ta conquête des buzz. Simplement, 10 000 personnes ont été regardées, 9 000 personnes ont été regardées en direct. Et puis, ça fait quoi? Tu y gagnes quoi? Cherche ces vues-là sur tes morceaux. Cherche ces vues-là sur tes abonnés. C'est quand même triste pour toi, Andy. Bref, je m'arrête là. J'espère que tu l'as compris.